Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je signale à nos auditeurs que vous vous trouvez actuellement en Syrie. Monsieur Meyssan, la Syrie fait l'objet actuellement d'un débat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité qui est divisé là-dessus. Il s'agit en fait de deux projets de résolution, l'un présenté par les Russes qui exige la prolongation de la mission des observateurs de l'ONU, l'autre par les pays occidentaux, les États-Unis, la France, l'Allemagne, qui fixe un ultimatum au gouvernement syrien. Et ces deux projets de résolution interviennent à un moment où Kofi Annan dit que les prochaines étapes sont désormais un ressort du Conseil de sécurité de l'ONU, une prise de position de Annan après sa visite à Téhéran et à Bagdad. Oui, je pense que le temps passe et en fait on constate que les positions n'ont guère évolué sur le fond, même s'il y a par contre des changements notables en termes tactiques et stratégiques militaires. Mais pendant les derniers mois, les Occidentaux ont feint de ne pas comprendre la position russe. Donc ils accusent la Russie d'agir par clientélisme et de protéger le régime de Damas sans nuance, malgré les crimes qui seraient commis par ce régime. La position russe a été expliquée depuis le début, dans de longs entretiens de Monsieur Lavrov et dans des articles qu'il a publiés jusque dans la presse aux États-Unis, où il dit que ce n'est pas du tout le sujet. La Russie soutient non pas un régime, mais un peuple, et elle ne considère pas qu'il y a une révolution, une répression là-bas, mais qu'il y a une déstabilisation par des groupes agités depuis l'étranger. Donc, on fait semblant de ne pas comprendre cette chose-là, et on nous annonce depuis des mois que, à force de pression sur la Russie, on va la faire changer d'avis et qu'elle se ralliera au projet de résolution des Occidentaux, c'est-à-dire à la guerre. Bon, je crois que là, il y a une maldonne fondamentale parce que non seulement on ne comprend pas la position russe, mais on ne comprend pas ce qui la motive. Or, c'est assez simple, il y a actuellement un rééquilibrage des forces dans le monde et la Russie se pose en garant du droit international et essaye de faire de la question syrienne une sorte d'épreuve de vérité qui permet de montrer que les États-Unis sont une puissance en déclin et qu'il y a d'autres puissances aujourd'hui qui jouent un rôle au plan international et qui peuvent défendre ce droit international là où les Occidentaux ont failli. Monsieur Meyssan, on venait en fait d'évoquer la prise de position des autorités russes et vous dites que voilà, la Russie défend ici pas un régime mais un peuple. Le représentant adjoint de la Russie auprès de l'ONU a déclaré que le président syrien, Monsieur Bachar al-Assad, s'était dit prêt à un cessez-le-feu local, s'était dit prêt à en fait à retirer, à mettre un terme le premier les opérations militaires dans les régions les plus touchées. Vous êtes sur place. Est-ce que vous confirmez ces informations? Le président Bachar el-Assad demande lui-même le cessez-le-feu depuis le début de la crise. Donc, et d'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement? Son pays est attaqué, il souhaite le cessez-le-feu, c'est l'évidence même. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui souhaite le cessez-le-feu. Pendant ce temps, de manière tout à fait publique, les Occidentaux amènent ici des armes, de l'argent et des mercenaires pour mener la déstabilisation du pays. Il y a une hypocrisie fondamentale dans cette affaire. Tout le monde dit qu'il est pour le plan Annan, qui prévoit l'arrêt immédiat des violences de manière unilatérale des deux côtés. Et tout en disant qu'on soutient le plan Annan, on dit en même temps et publiquement qu'on amène des armes, de l'argent des mercenaires. Meyssan, vous savez, s'agissant de prise de position des Occidentaux et des Russes, vous savez, les Occidentaux, accompagnés par certains pays arabes de la région, ont tenu plusieurs réunions, ont plaidé plusieurs fois pour l'envoi des observateurs internationaux
en Syrie. Bon, on a décidé d'y envoyer les observateurs. Une fois les observateurs arrivés en Syrie, les actes de violence des groupes armés se sont intensifiés, ont rendu difficile la mission de ces observateurs. Et maintenant, à un moment où les Russes présente un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour réclamer la prolongation de la mission de ces observateurs, les Occidentaux s'y opposent. Comment peut-on expliquer cette prise de position des Occidentaux? Depuis le début, les Occidentaux espéraient que les missions d'observation, celles de la Ligue arabe et celles de l'ONU, leur donneraient raison. Or, chaque fois que les gens sont sur place, ils constatent ce qui se passe réellement, et ils constatent que c'est la version du gouvernement syrien qui est la bonne, alors que la version des Occidentaux est mensongère. Bon. Donc, on a cru qu'on pouvait manipuler la mission actuelle du général Mood, et puis même si il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont tout ça s'est passé, les conclusions globales du général Mood vont à l'encontre des intérêts des Occidentaux dans cette affaire. Alors, depuis des semaines déjà, le général Mood et les membres de sa mission restent enfermés dans un hôtel de Damas. Ils ont une vie de pacha dans ce grand hôtel. Ils sont payés par la communauté internationale et eux-mêmes refusent de sortir en disant que c'est dangereux. Donc voilà, c'est quand même une situation incroyable, hein. Voilà des militaires qui nous disent que la guerre c'est dangereux et qu'ils ne veulent pas y aller. des Occidentaux qui les encouragent à rester dans leur hôtel au lieu d'appliquer les résolutions des Nations Unies et qui maintenant s'opposent carrément à la reconduction de leur mission. Monsieur Messon, citant l'émissaire conjoint de l'ONU et de la Ligue arabe pour la Syrie, Monsieur Kofi Annan, certains médias occidentaux ont rapporté que l'Iran aussi est favorable à une transition en Syrie, mais l'Iran est favorable à une transition en Syrie via le dialogue, non pas via l'ingérence des puissances étrangères. La position iranienne est comme la position russe, elle est fondée sur le droit international. L'Iran n'est pas là pour soutenir ou s'opposer à Bachar el-Assad. C'est une décision qui n'appartient qu'au peuple syrien, qui pour le moment montre un soutien massif vis-à-vis du président Bachar el-Assad à travers diverses élections et scrutins électoraux. Bon. Donc la position iranienne, c'est évidemment il doit y avoir une transition, ce que tout le monde pense ici, à commencer par le président de la République. Mais il doit y avoir une transition qui ne peut se faire que dans des conditions pacifiques, c'est l'évolution normale de tous les pays. Et chaque fois qu'on dit qu'on est favorable à une transition, ce que disent aussi les Russes, immédiatement les Occidentaux commencent à ricaner en disant, voyez, ils lâchent le président Bachar el-Assad. Personne ne lâche personne dans cette affaire. Mais il faut comprendre ce qui se passe autour de l'Iran dans ce dossier. Les Russes avaient demandé que l'Iran soit invité aux négociations autour de la Syrie. On avait d'abord pensé des négociations à Moscou, puis ceci a été refusé. C'est devenu des négociations à Genève sans l'Iran. Par mesure de rétorsion, les Russes ont dit, s'il n'y a pas les Iraniens, eh bien vous n'amenez pas les Saoudiens. Qu'est-ce qui est en jeu derrière tout ça? Bon, évidemment, la présence physique d'une délégation iranienne n'est nullement indispensable. On peut très bien continuer à discuter par un autre biais. Mais le fait de demander cette présence iranienne est tout à fait légitime. C'est un grand État de cette région qui est concerné comme les autres États de cette région. Et le fait que ce soit les Occidentaux,